call upon your name. Là, c'est Avenue Emilia Tendo. Voilà, bonjour, chers bien-aimés. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train d'aller sur le second site de l'église à Bertois. Nous sommes tellement préoccupés par... le problème de la construction d'une chapelle immédiate ici à Bertois. Donc, ça c'est quel quartier ici? Koumé Boni. Ça c'est Koumé Boni, ça. Après le dépôt de gaz. Voilà. Ça c'est bien. Il y a ce deuxième site qu'on va visiter là. Directement, tu vas filmer. Donc, tu peux ouvrir chez toi là-bas. Ouh! Bonjour papa. Comment ça va? Bonjour. Ça va, hein? Ok, d'accord. Là, tu vas... Comme ça, tu es en direct. On est en direct. Donc, voici la seconde position. Ici, en rentrant, c'est comment on va vous montrer la route. Ici, c'est plus facile d'accès. C'est vrai que c'est hors de la ville, mais c'est préférable pour l'église. Donc, on va visiter avec papa. Notre jeune soldat. Les gens sont nombreux ici à Bertois. Et ça, c'est dû à la bonne volonté, l'amour pour le peuple là pour Jésus. Donc, lorsqu'une population aime le Seigneur, les résultats, c'est ça. On va le faire ici là-bas. Ah, ok. On va faire l'université là-bas. Non, est-ce qu'on fera des versets? Ça c'est le perdrix, hein? Donc ça c'est un bon terrain de chasse. Ici il y a des avocats que j'ai mis là.
Bon, ce qu'on va faire ici là, est-ce que j'avais le nom pour faire ce travail? Non, tout le déplacement là, je vous ai dit le terrain, là il n'y a pas d'accident, c'est pas accidenté. Il n'y a pas à dépenser ici pour l'opération. Ça j'ai dit que bon, je donne 2000 mètres d'habitude. Parce que j'ai essayé de calculer. Parce qu'avec 1000 mètres carrés, ça vous fait peut-être une surface de 1000, peut-être 1000 personnes. Bon, avec 2000 personnes, ça peut donner. 2 mètres carrés, on va soit mettre la chapelle sur tout. Et puis on va juste sortir le bureau. Ça dit ça. Oui, parce qu'il y a un grand potentiel ici. La stabilité entraîne la croissance de l'église. Voilà. Où nous sommes là, beaucoup de gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce que l'endroit même d'abord, c'est pas bien arrangé. C'est pas bien. Oui. Il faut être très humble pour suivre Dieu dans ces conditions-là. Mais si on met une chapelle respectable, qui impose le respect, et les gens, ça va motiver. Et d'autres personnes qui ne veulent pas s'identifier en public ou en ville, ça va peut-être sortir la ville, pour venir faire le culte ici, parce que c'est pas cher. Parce que là-bas, il y a une sortie de bitumen qui part jusqu'au fond. Bon, ici, la rue d'ici devait sortir vers là-bas. Là. Ok. Après que ça, on a utilisé donc la rue de sortir comme ça. Donc, c'est à vous de choisir le pont. Non, là, c'est bon, c'est parfait. Le pont, mais... c'est parfait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est. Il faut, je ne sais pas s'il faut trouver des engins ou s'il faut trouver des gens qui vont les faire. Moi, économiquement, économiquement, il faut trouver les gens qui vont les faire. Vous voyez, c'est juste que. Non, c'est... Vous allez voir, il faudra faire les implantations. Là, il faut qu'on mobilise les gens vite, hein. Très vite, très vite. Si on peut balayer ici avant dimanche, c'est parfait. Parfait, parce que la bataille qu'on a à SCT là... Non, moi, même le temps, comme j'étais assis un peu derrière, là. Si c'était un commissaire qui disait qu'il faut baisser le volume, parce que le volume les empêche. J'ai dit à madame que ça c'est mauvais que le montage. Ça c'est un montage de gens qui ne veulent pas la croissance. D'accord. Là, du coup, nous on va se mettre au travail. Le maïs. Il y a beaucoup de maïs dedans. Hein. Ah. On va même venir enlever aujourd'hui, non. Mais la pluie. La pluie nous a empêché. Ça va, c'est pas parmi moi, par exemple. Les femmes, elle a son souci, elle a peur. Ok. En travaillant, on va lui donner les ordres de... Non, il n'y a pas de problème, mais ils doivent travailler. Non, mais c'est bon qu'on vienne ici sur place, là, on ne doit pas nous déranger. Oui. C'est place. Ça se voit. Il n'y a même pas à dépenser pour les engins ici, là. Mais si vous voulez seulement, peut-être que vous voulez seulement que les engins viennent... Non, si c'est déjà bien fait. Travailler, non, enlever les herbes. Quand c'est bien travaillé, on fait les implantations, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. De l'autre côté, on prend les engins quand il faut faire l'intéressement. Voilà. Ou bien quand le terrain est accidenté. Oui. Mais ici, le terrain est bien plat. Il n'y a pas de problème ici. Donc, voilà, nous voulons, je voudrais dire, inviter l'église de Bertois. Nous avons travaillé de l'autre côté. C'était quel quartier là? Bakombo. Bakombo. Où on allait hier? Bakombo. Après Zangwa. Voilà. Zangwa. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour tous ceux qui ont participé. Et vu l'enclavement du terrain là-bas et l'insécurité, nous avons trouvé bien d'implanter l'église ici. De l'autre côté, nous avons d'autres grands projets pour la ville. Donc, nous allons implanter de ce côté là-bas. Donc, mais ici, nous allons mettre l'église. Vous voyez que la route, elle est grande. Elle est vraiment vaste. Et donc, nous allons implanter l'église ici.
Donc demain, par la grâce de Dieu, tous les travailleurs, ce soir déjà, à partir de 16h, ancienne SCT, à Mokolo 1, pendant le programme, je vais passer l'annonce. Et demain matin, nous tous, on va se mobiliser ici. On va passer la journée demain ici à défricher. On va libérer tout l'espace par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, en sorte que dimanche, là, les mesures soient prises pour qu'on fasse le culte du soir ici. Et comme je disais, il y a les bus de la mairie. On va essayer de signer un contrat avec la mairie pour faciliter l'accès au peuple. Comme ça, comme la route est grande, les bus vont amener les gens jusqu'à l'église. Comme on fait à Yaoundé. Après le culte, on ramène les gens. Et c'est ce que nous allons faire. Il faudra qu'on ait de très bons techniciens pour qu'on mette déjà un hangar. On va commencer à faire avec du bois. On tolle vite. Et avec le temps, on remplit avec les parpaings, tout simplement. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc voilà, nous bénissons le nom du Seigneur pour sa grâce. Merci pour l'amour que les populations de Bertois portent à l'évangile de Jésus-Christ et la volonté ferme de voir cette œuvre aller de l'avant. Je pense qu'en toutes circonstances, Dieu utilise certains événements pour éveiller notre esprit, pour nous amener à prendre les décisions importantes. Parfois, Dieu vous dirige, mais vous ne savez pas dans quelle direction le Seigneur veut vous amener. Parfois, vous avez l'impression d'être à la croisée des chemins. Alors, le Seigneur suscite une adversité. Et cette adversité, en réalité, est comme un pédagogue qui vous conduit directement vers la seule voie, la seule issue que le Saint-Esprit ouvre et dispose devant vous. Donc, en venant à Bertois, c'était juste pour une campagne pour bénir les populations et participer à son éducation spirituelle et surtout aussi à sa guérison physique, morale, spirituelle, etc. Mais cependant, nous nous sommes retrouvés dans un tout autre projet, celui de bâtir la chapelle de Réma à Bertois. Donc, voici un emplacement idéal. Et la décision définitive, elle est prise. Il faut dire que c'est une bataille avec la maman là-bas. Elle sera déçue, bon, mais tout ce concourt au bien de Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc de l'autre côté, il y a tellement de choses à faire. Il y a une école, il y a des hôpitaux. Nous allons investir dans la ville. Nous allons contribuer au développement de la ville. Donc, mais la priorité, c'est d'avoir déjà un endroit où nous allons établit la population dans la sécurité. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen.